1968, la grande victoire de Seifert qui va s'élancer du milieu de la deuxième ligne. It's Oliver and Seifert in front. Dan Gurney didn't get away. Dan Gurney stuck on the starting line. Elford going away late. En deuxième position, derrière Jack Oliver et devant Graham Hill, qui le passera dans ce premier tour, Joe Seifert va mener une course fantastique au volant de la toute nouvelle Lotus 49B qui l'étreint ce jour-là. Courant sous les couleurs de l'écurie Rob Walker, dont la dernière victoire remonte à 1961 lorsque Stirling Moss avait remporté le Grand Prix d'Allemagne, Seppi restera dans le sillage immédiat des deux Lotus d'usine avec à ses trousses Chris Amon, Jackie Stewart, John Surtees, Jochen Rindt, Pedro Rodriguez, Bruce McLaren, Jackie Hicks, bref tout le gratin de la Formule 1 d'il y a 10 ans. A dive down into Dingle Dell. And the front one smoking badly. Oliver smoking badly already. That's a pity it's so early in the race. Through Dingle Dell, left-handed Stirlings. Gurney's at last got away from the start line. Dès le premier tour, le moteur d'Oliver va se mettre à fumer. Graham Hill prend la tête au troisième tour, mais il abandonnera au 27e, arbre de transmission cassé. Seifert se retrouvera ainsi en deuxième position derrière Oliver, qui perd tellement d'huile que Seppi est obligé de lever le pied quelques instants, le temps d'essuyer ses lunettes. Amon en profite pour le passer, mais pas pour longtemps. Regardez la fougue du pilote fribourgeois au 43e des 80 tours. Seifert raising his arm, asking for the blue flag. Amon catching up while Seifert's held up. Just what we thought might happen. Seifert must get past Hicks quickly. And if Hicks understands the situation, he's going to keep him back and give Amon a chance. This is a highly dramatic situation with only 12 laps to go. Now then, can Seifert do him now? Blue flag for the marshals. Seifert's got by. Voilà, Amon est passé et les choses vont maintenant se précipiter. Au tour suivant, Oliver s'arrête, transmission cassée. Pour la première fois en 6 ans de Formule 1, Joseph Seifert se retrouve en tête d'un Grand Prix comptant pour le championnat du monde des conducteurs. Et 36 tours durant, il va mener cette course, suivie à moins de 5 secondes par la Ferrari de Chris Amon. La lutte que les deux pilotes vont se livrer se situera à un tel niveau que bientôt ils seront les deux seuls dans le même tour. Et en vue de l'arrivée qu'il va franchir en grand vainqueur au terme d'un périple de 340 km parcouru à 169 de moyenne. Over the line, along the top straight, and there he goes. À 32 ans, Joe Seifert, en remportant le Grand Prix d'Angleterre, devient le premier pilote suisse à s'imposer dans une épreuve comptant pour le championnat du monde. Une nouvelle époque du sport automobile suisse commence, dont Seifert sera et est encore le modèle. Cette saison, tout au moins en ce qui concerne la Formule 1, fut sans nul doute la plus glorieuse de sa carrière. Quatrième au Grand Prix de France, deuxième au Grand Prix des États-Unis, Seifert remporta au volant de sa BRM le Grand Prix d'Autriche à Zeltweg, dont vous suivez quelques phases. Sa voiture tenait enfin le coup. Joe réussissait de réelles performances, obtenant en fin de compte le quatrième rang ex aequo avec Jackie Hicks au classement des conducteurs. Il mettait du sien, tant sur le plan humain que sportif. En 1969, il avait par exemple terminé troisième du Grand Prix de Monaco, remporté par son copain Graham Hill. Vous y pensez au danger dans une course ? Plutôt bien arrosé.
La carrière de Joe Siffert, pilote automobile, avait démarré en 1960 et les débuts avaient été difficiles, particulièrement sur le plan financier. Aidé par une poignée de copains, pratiquant presque jour et nuit le commerce de voitures d'occasion, Siffert s'expatriait chaque week-end pour disputer les épreuves du championnat d'Europe de Formule Junior, qu'il devait d'ailleurs remporter en 1961. Les temps étaient pénibles, les repas frugaux et les nuits brèves, mais la passion était déjà totale, le chemin tracé. Peut-être Joseph Siffert, le sportif suisse le plus connu à l'étranger. Est-ce que vous avez le sentiment d'être plus connu à l'étranger qu'en Suisse? Non, je suis bien connu en Suisse. Je peux pas pratiquer beaucoup de sport en Suisse parce qu'il n'y a pas de Grand Prix. J'ai fait l'étranger parce que la date est tombée juste. J'ai fait une course en Suisse, ça m'a beaucoup de plaisir. Mais je suis bien connu en Suisse, disons, on ne peut pas dire que ils en... Vous n'avez pas le sentiment d'être méconnu, mal connu non. Ou non, non, ignoré, en tout cas pas. Pas du tout, non, non. Siffert est actuellement l'un des meilleurs pilotes qui soit. Je l'ai vu l'autre jour en Autriche où il a fait une course magnifique et j'ai décidé de l'engager à la Temporada Argentina. Mais je crois que Siffert est le personnage même du gentleman driver. C'est un type qui est correct, qui est très sympathique à vivre. C'est un bon ami, vraiment, et il a une correction en course à toute épreuve. C'est un type sur qui on peut compter, on sait qu'il ne fera jamais de coup vache. C'est un type très bien. Quand vous aviez 14-15 ans, vous imagineriez que vous deviendriez une fois sur automobile. Avec Jackie Hicks, le plus grand pilote de tous les temps des courses de prototype. Et évidemment, lui qui s'imposait sur Porsche au classement général absolu. Vous pensiez que ce serait possible je voulais, à l'exception de 24 heures automobile, mais je pense que c'est pas participation. Il ne peut faire que deux fois premier à l'indice de performance. J'en rêve de ça, mais. Surtout que vous étiez dans un milieu où personne ne faisait de la course automobile, quoi. C'est ça, oui, on est assez. Vous avez commencé par la et toujours cet art de joindre le geste à la parole. J'ai couru en 350 en Sipta, après en Junior, en Formule 1. En quelle année avez-vous commencé sérieusement la compétition? 61. Toujours pressé, Siffert prenait toutefois le temps de bien faire les choses, même les plus simples. Son casque rouge à croix blanche avait fait de lui un ambassadeur itinérant de premier ordre, apprécié et reconnu en toutes circonstances. D'humeur à ses égales, en dépit d'une grande sensibilité à toutes les choses de la vie, il supportait généralement ses échecs et abandons avec résignation et une déception intérieure que trahissait l'expression de son visage et quelques merdes alors secs et sonnants. Siffert est un type sensationnel. En tant que fribourgeois, je suis fier de ses résultats et de la modestie
qu'il montre toujours dans le public et dans les courses. Je le trouve tellement simple, le succès ne lui est pas monté à la tête, c'est ce qui est tellement beau à voir chez lui. Oui, il est impeccable, il est... je sais pas, il est pas crano, comme ça, vraiment sympathique, quoi. Exceptionnel, vraiment, parce qu'on sait qu'il a fait tellement d'efforts pour réussir, alors on l'admire d'autant plus. Je crois que c'est un type très brillant, si on connaît les résultats qu'il a fait, ouais. Surtout avec les moyens à sa dispo. Nous l'admirons beaucoup parce que c'est un bon pilote et puis parce qu'il prend beaucoup de risques, alors les femmes aiment ça, peut-être ça nous aime. Er is niet gelijk wie een ander, er is einfach een sympathischer Typ. Een Nachfolger van Jim Clark, een Nachfolger van hem en het Vorbild van het heutige Rennsport. Ik glaube, hij heeft een grote Karriere vor zich. Sieger in Ursi. Im großen Preis von Cadour, an der Coupe de Paris, am großen Preis von Pergusa, am großen Preis von Wien, erster beim großen Preis der Abus, in Charus, bei den 24 Stunden von Daytona Beach, bei den 12 Stunden von Sebring, bei den 1000 Kilometern vom Nürburgring, bei den 500 Meilen von Brands Hatch, bei den 1000 Kilometern von Monza, Sieger, 1000 Kilometer Spa, Sieger 6-Stunden-Rennen Watkins Glen in der Targa Florio, beim 1000-Kilometer-Rennen in Zeltweg, beim 1000-Kilometer-Rennen von Buenos Aires, Grand Prix von Rouen, Grand Prix von Kolumbien, Grand Prix von Siracusa, Grand Prix de la Méditerranée, großer Preis von England und großer Preis von Österreich. Surtout que vous étiez dans un milieu où personne faisait de la course automobile, quoi. C'est ça, oui, on était assez... Vous avez commencé par la moto. Oui, par la moto, oui. Ouais. J'ai couru en 350 en Sidecar, après en junior, après en Formule 1. En quelle année avez-vous commencé sérieusement la compétition automobile? 61. 63 en Formule 1. Puis... Alors justement, quand vous êtes arrivé en Formule 1, est-ce que ça a été difficile pour vous d'entrer dans ce nouveau milieu? C'est un cercle très fermé, les pilotes de Grand Prix, ou bien ils vous ont accueilli facilement? C'est-à-dire mon accueil, assez facile. Monaco, dimanche 22 mai, 14h45. Dans 15 minutes, Louis Chiron libérera les 16 champions participant au 24e Grand Prix de Monaco, première épreuve comptant pour le championnat du monde 1966 des conducteurs. Les meilleurs coureurs du monde sont présents, voici quelques-uns. Graham Hill, vainqueur de Monaco en 1963, 64 et 65. Richie Ginter, premier du Grand Prix du Mexique 1965. Joachim Bonnier. Jackie Stewart, troisième conducteur mondial 1965. Enfin, Jim Clark, le coureur de Chapman, un Clark qui l'année dernière gagnait 6 grands prix sur les 10 que comportait le championnat du monde. À 14h59, Clark et Surtees, meilleur temps aux essais, précèdent les bolides s'approchant de la ligne de départ. Septième ligne, une Brabham BRM portant le numéro 14, la voiture de Joseph Siffert, classé 11e pilote mondial de l'année 1965. Le déroulement de la course, on le connaît. Une hécatombe technique ne permettant qu'à 4 pilotes, Stewart, Bandini, Hill et Bondurant, de terminer l'épreuve, toutes les nouvelles voitures de Formule 1 étant réduites à l'abandon. Et durant cette émission, nous n'allons pas revivre cette course. Ce que nous voulons, c'est vous présenter l'envers du décor, et ceci avec Joseph Siffert. Au 37e tour, après un premier arrêt au 6e, Siffert s'arrête, son embrayage ne fonctionne plus. Un Siffert terriblement déçu, vaincu non sur sa valeur, mais par des impondérables techniques, tout comme ses camarades Brabham, McLaren, Surtees et autres Jim Clark. Ce visage marqué, dur, amer, est un des visages de Siffert, celui du champion vaincu. Nous allons en découvrir un autre. Dans 24 heures, la course. Samedi, les derniers essais, les dernières consignes de M. Walker. Deux tours en 9000, en très vite. Et après le deuxième tour, faire un coup. Oui. Siffert sait qu'il doit à tout prix réussir un temps de moins de 1,34 au tour pour être bien placé le lendemain au départ. Sur le plan technique, le drame commence.
Après quelques tours, Siffert est revenu au box. Sa BRM n'est pas au point, problème d'injection. Le jeudi, le Fribourgeois a réussi le cinquième meilleur temps des essais en compagnie de McLaren derrière Stewart, Graham Hill, Rindt et Ginter. Vendredi, il doit se contenter du 13e rang en 1.37.5 contre 1.35.1 la veille. Le samedi, la BRM ne marche toujours pas et comme la coupé en Maserati est inutilisable à la suite du Grand Prix de Silverstone, Walker et Siffert commencent à éprouver de sérieuses inquiétudes. Stirling Moss encore. Le temps passe, il ne reste plus que 10 minutes pour les essais. Encore un départ. Une 34-4, ce sera le meilleur temps du Fribourgeois lors de ses ultimes essais, mais le 13e seulement de la journée. Siffert a beau prendre des risques pendant ces dernières minutes, il ne parviendra plus à améliorer son résultat. En moins de 24 heures, ce sera le départ de la course. Dimanche, 14h15. Dans 45 minutes, ce sera le départ. Nous nous retrouverons au début de ce reportage. À 6h du matin, ce même jour, Siffert, sur une petite route déserte, a essayé une dernière fois sa voiture, fébrilement mise au point pendant des heures par ses mécaniciens. Et la croix dans les yeux, c'est ça, tu comprends? Bien, j'étais à Nice, je pensais quand même faire un saut, dire bonjour. Ça fait tellement longtemps. C'est l'année, quoi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, non, non. C'est téléphoné plusieurs fois. Ah, mais je ne t'habite. Je suis par la presse. Pour lui, maintenant, il s'agit de libérer son esprit, d'accomplir les gestes rituels précédant la course, de rassurer sa femme, d'espérer que la mécanique tiendra. Minute. La course est partie. Le soleil, des dizaines de milliers de spectateurs, le vacarme, l'odeur. Joseph Siffert, une fois de plus, est plongé dans la ronde infernale. Que quelques mots brefs à ajouter sur ces images. Après une heure de course, premier, numéro 12, Jackie Stewart. Deuxième, numéro 16, Lorenzo Bandini. Troisième, numéro 11, Graham Hill. Quatrième, numéro 4, Jim Clark, qui abandonnera peu après. À mi-course, émotion. Graham Hill ne parvient pas à redresser à la sortie d'un virage dans la descente sur la gare. Il repartira de justesse, évitant la catastrophe. Jack Stewart est déjà seul, il le demeurera jusqu'à l'arrivée.
Le numéro 14, Joseph Seifert, se bat de toutes ses forces avec toute son intelligence de la course, mais la mécanique sera plus forte que l'homme. Des heures de travail, de danger, de tension, se résumant en une ligne dans les journaux du lendemain. Joseph Seifert, Suisse, sur BRM, abandon au 35e tour. Entre parenthèses, rupture d'embrayage, fermez la parenthèse. At Brands Hatch, a victory drive by Jackie Stewart preceded the world champion victory race held in his honor. Among those taking part were Graham Hill and BRM team leader Joe Siffert. Peter Gethin took the lead at the start. He was followed by Emerson Fittipaldi in a Lotus. Jackie Stewart was well back in third place. On the fifth lap, Fittipaldi set up a new record for the full Brands Hatch circuit, averaging 113.5 miles an hour. But in the 14th lap, disaster struck. Joe Siffert had been fighting to take over third position from Jackie Stewart, but his car crashed at Hawthorne Bend and burst into flames. He died from suffocation. The race was immediately abandoned. First prize was awarded to Peter Gethin, Siffert's teammate. Joe Siffert's racing career was marked by international success. The death of this great racing driver is a tragic loss for Britain and the motor racing world.